Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Coordonnateur SPNH 17 là, Jean Elder, lundi, fait qu'on est dans une autre, vous mettez dehors, causé, vous battez bravo pour le commandement police là, à tout policier qui rend la vie reprendre en plein temps, pendant que vous laissez frapper, base 400 Marozo, groupe chez méchant. Puis loin, coordonnateur lundi déclaré, vous besoin d'être veillatif pour ça, parer, pour commencer. Cependant, M. Jean Elder, lundi, fait qu'on est, vous pouvez vous satisfaire par tout que négatif, capable théoriser population à n'importe qui moment et ça fait demander population pour être vigilant. En côté coordonnateur SPNH 17 là, Jean Elder lundi qui était dans le micro, collaborateur nous Samuel Jean-Louis. Nous sommes sur note de félicitations à vous, commandement de la police, à tous les policiers qui participent dans l'opération qui viennent rendre la vie possible dans une zone pleine du cul de Sacla. Donc nous avons réfléchi en pile avant de nous sortir de ça, mais nous venons rendre compte que FN a un syndicat de gauche, effectivement, mais nous ne venons pas camper en face de la police. Nous contre la police et que nous venons travailler pour nous capables de faire une police plus professionnelle. C'est ça que fait le moment de nous compter, une direction à marcher, à faire un travail qui est bon. Nous obligés de mettre tout le bagage de côté pour féliciter pour nous dire que pour aller dans le même sens. Mais nous ne pas voulu tout pour nous prendre satisfaction pour nous dormir sous le lit. Nous pouvons faire travail là, le beau travail n'a pas encore été fait. Et que d'après les menaces que nous avons sur les réseaux sociaux, côté que on dit que là pour finir, il n'y a plus retourné, alors que prendre contrôle de la zone aéroport. C'est parce que la demande des directions de la boue, nous été sur le qui-vive pour nous préparer à toute éventualité de manière pour nous capables toujours mériter et félicitations ça, nous capables toujours mériter. J'ai de faciliter ça de manière pour travailler si bien pour bailler la population de l'église. Et tant que code de la TSPNH 17, est-ce que nous satisfaits de l'opération de la police menée contre le groupe gang Sayo qui tape bataille dans plein nan, qui c'est 400 Marozo, ensemble avec base chez méchant? Effectivement, je ne peux pas dire que TSPNH satisfait. Parce que jusqu'à présent, le monde pas qu'à traverser ma cité pour aller dans le sud. Jusqu'à présent, je pense que toujours là pour nous. Toujours quoi des bouquets, toujours des bandits qui viennent dans la plaine, toujours des bandits sous dans un canard qui n'a pas de problème. Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire. Mais leur monio, leur autorité, leur commandement fait un pas dans la bonne direction. Nous supposons que Kébé là continue de taper sous même lancer ça de manière pour nous arriver à jouer une salle à chercher à quitter sécurité pour toute population. Le coordonnateur SPNH 17 a profité et fait recommandation à responsable de PNH là pour continuer à travailler, mener en pays. Et puis demander la population haïtienne pour collaborer avec la police pour rendre la bataille plus facile. Puis loin, inspecteur lundi déclaré c'est parce que le bandit a mis très à l'aise pour fonctionner dans le pays d'Haïti. Cependant, le coordonnateur lundi demandé pour le commandement PNH là pour avoir moyen à la police de façon pour travailler. Il y a fait capable d'avoir plus de résultats d'apporter une solution à un phénomène et sécurité en d'un pays. Nous invitons à écouter une fois encore l'inspecteur Jean Elder, Dynamico, Samuel Jean-Louis. Effectivement, nous recommandons la police. La police a aussi même lancé pour toute l'autre zone qui a fait problème. Vous avez dit Canaan, zone du soleil, Matissan. Pas des bouquets à toujours la rue parce que n'y a eu de sur une base de notre pas des bouquets, c'est toujours même bataille là. Courage la police là pour les travailler en pile sur sa décarie des informations pour les travailler sur formation policière pour acheter plus matériel de manière pour travailler la capable. Bon côté par nous, SPNH, n'a pas demandé population pour rester soudé avec la police là. Parce que les policiers qui ont bien travaillé, les populations qui ont informé et qui ont corrigé, qui ont demandé pour corriger des reviews. C'est ça que nous-mêmes,
n'a pas demandé toute société civile haïtienne pour rester bon côté SPNH de manière pour être capable de travailler plus toujours pour nous demander aux autorités de corriger des régions pour être capable de vivre à Santé Carrelé pour payer être capable de gagner un bon genre de sécurité. Pour que les Haïtiens soient vaccinés librement à l'occupation. Qui ça SPNH 17 propose comme solution pour mettre au frein à la question du phénomène de sécurité dans le pays d'Haïti? On reste quoi avec moi? Pas un pays qui n'a pas de bandits, pas un pays qui n'a pas de propos de sécurité. Mais on reste quoi qu'en Haïti, les bandits ont trop latitude pour sortir de haut point. Pour y aller dans l'autre point. Et ça fait la demande pour la police là, taguer des matériels beaucoup plus sophistiqués, pour taguer des drones et même des hélicoptères qui suivent des placements bandits et que pour la police est capable de proactive pour les capables sur les lieux et dans le moment des placements pour éviter que la population soit capable de subir. Nous restons quoi que le renseignement là pour le travail plus. Pour informer la police à des gens de déplacement, il faut la frontière depuis la route, pour ne pas être arrivé côté Pialbaï pour nous faire. Nous croyons que le bataille travaille là en pile, mais nous croyons que depuis que le commandement voulait travailler de manière professionnelle, il y a privé contre l'insécurité. Sous ta message, on va adresser à l'endroit des agents policiers ainsi que au commandement de la police. C'est qui ça le tapis coordonnateur? Agents, nous restons que faut que toujours agir avec plus prudence dans la rue. Parce que la rue, toujours été un côté qui hostile à tout policier et cap circulé. Nous étions quoi que faut que pas sorti pour continuer à sortir en groupe de manière pour capable pour yon solidaire à l'autre pour capable défendre si ta grande situation qui présente. Et pour l'État pays, nous quoi que faut que pas un signal qui beaucoup plus clair dans sa décarrelé bataille contre l'insécurité. Faut que pas un signal qui plus visible, plus compréhensif pour la population qui a arrangé pour courir la police là, dans la bataille contre l'insécurité. Nous croyons que son bataille qui m'a dit en plus d'énergie, mais nous croyons que depuis l'État va être signal très clair et que lui voulait stopper l'insécurité. Depuis monsieur, pas pour servir à l'insécurité pour faire politique, depuis dépolitiser. La police, la boucle de cette job technique client, nous croyons qu'il est arrivé très loin pour travailler sa sécurité. Ancien député Abel Décolline dit ça avec tristesse, c'est à regarder, attendez, ça a passé pendant deux semaines dans la commune pour les bouquets. Quand il fait qu'on est si là, qui a des armes dans les montées, c'est eux qui ont dirigé même les chefs dans la tête du pays. Ancien parlementaire, il y a les bouquets qui ont ajouté, ça a passé matissant, qui a arrivé dans diverses zones dans le pays. C'est un imparfait pour bloquer le groupe armé. D'après ancien député Abel Décolline, nous invitons au côté. Comme citoyen, comme monde d'abord, moins vraiment attristé, moins vraiment ému. C'est une situation apocalyptique, puisque lorsque on suit des images aussi atroces, côté de jeunes garçons, de jeunes filles, de timounes, de personnage âgé qui a mouru dans des conditions mais vraiment qui baille de aspect de pays qui est en guerre, alors que nous pas un pays qui est en guerre, bien entendu il y a la guerre des gangs. Donc nous vraiment condamné genre de situation ça y est. 1er juin 2021, situation qui arrivait martissant. Les semblait de temps pour des gouttes d'eau ça qui arrivait quoi des bouquets hein? Qui compréhension par compréhension c'est que jeudi vrai chef yo mon qui gagnait contrôle territorial c'est les hommes armés puisque l'état qui gagnait sont l'état imaginaire gouvernement qui gagnait ce sont des âmes des hommes pardon et des femmes qui contentaient tout simplement de privilèges que poste dans Bayo, mais c'est comme si on payait en gain de devoir, c'est comme si on payait obligation pour assurer la sécurité.
côté, compréhension. Nous, ça t'est arrivé, Matissan, l'étudier pendant plusieurs mois et continue encore dans Matissan. Les heures mamées, de l'autre côté nord de la région métropolitaine, Guadeloupe, Morocco, bref, regardez que l'État, il existe dans son État imaginaire, donc c'est eux-mêmes qui ont décidé, comme on leur semble, pour les bloquer, pour les attaquer, pour les faire gagner les blés. Donc, qui sait si pas gagner l'autre directive d'un niveau gouvernance pays. Demain, c'est capable, on l'autre zone qui pas pour aller bouquer, qui pas Matissan, qui pas pour repos, malheureusement. On a continué avec l'information, il y a un colonel Emile Rebuy qui peut en pile précision sur les stratégies groupe armé utilisées pour contrôler diverses zones dans la région métropolitaine depuis un beaucoup de temps. Emile Rebuy qui est dans le micro radio lumière déclaré c'est une planification qui fait depuis quelques temps pour capable régler les affaires politiques du groupe monde. Dans ce sens, ancien ministre espoir ajouter c'est une catégorie monde qui techniquement utilise individus armés pour faire mode de travail ça au gang de faire qui s'est scéné Port-au-Prince. Pendant les 10 pour phénomène gang nan jwenn yon solution, Fox Silayo qui placé pour diriger pays à partant en complicité avec groupe armé. Nous invitons à écouter M. Emile Rebuy. Pour les gens qui ont étudié stratégie, pour mise en place qui fait pour assiéger Port-au-Prince et Bétonville. Donc, c'est un travail qui est techniquement très bien réalisé et qui fait par des gens qui hautement qualifiés. Ça que la population a vécu aujourd'hui, son bagage qui était planifié depuis bien longtemps. Maintenant, il faut avoir des yeux techniques pour les comprendre. Et nous connaissons que finalité a son finalité politique à l'intérieur d'un mauvais calcul. Parce que calcul politique, ça, il est fait depuis bien longtemps. Pour une série de monde qui défile voler comme Petro Caribé, ça va utiliser Ariel Henry comme marche-pied pour qu'on retourne au pouvoir sans que vous ne payez aucune conséquence. Mais son projet qui est là, qui vieux de plus de 10 ans, nous songez depuis le président Michel Madeleine avait essayé de monter du faux CEP, c'est avec le même objectif là, et jusqu'à présent, rien n'a pas changé. Et nous croyons que nous avons le droit de vigilance et de réaction sociale que nous avons commencé d'ailleurs avec marche qui était faite en plein an. Quoi les bouquins, que la population est obligée de venir camper pour être capable de pas quitter le monde menel dans tout que vous pourriez vous lire. Alors, colonel Rebuy, vous parlez de étranglement pour la population qui a plus comprendre. En termes clairs, ça veut dire exactement. Pas étranglement des gangs, étranglement de la population. Parce que dès que vous assiégez une ville, cela veut dire que vous neutralisez toute porte de sortie et d'entrée. Inévitablement, on va marcher vers l'intérieur pour faire et pour exercer des pressions. Et c'est ça qu'on veut faire. Moi, on combat qui passait le week-end dernier, il n'y a pas tellement pas l'empile de lit. Et nous pas remarqué à qui dit cette diplomate dominicain libéré. Est-ce que l'autre monde qui t'a libéré à vitesse ça? Cela veut dire que il y a eu un instance condamné quand vous madame habitant des délits pour entrer en action. Et qui parlait avec mon qui tapait mon yo, dit non, mon a oublié la gueule de suite, parce que ça a créé nos problèmes. Ça veut dire que mon qui a dirigé l'État en connexion avec gang qui a kidnappé mon yo. Et au gain pouvoir qu'on est, qui mon y a permis la guerre rapide, qui mon y a permis de rester là pour chercher l'argent pour le bail. Donc c'est pas un problème de bandits, c'est un problème d'État. Dans sa qui concerne le dossier chef gang 400 Maozoa, Germine Jolie, alias Sonjon, qui pour qu'on y a joint fermé dans prison, dans le pays blanc américain, colonel Emile Rebuy, rappelé pays États-Unis, c'est intérêt pas seulement la défendre par Boïsite, pendant le profit demandé acteurs politiques pour chercher intérêt pays. Avant tout l'autre détail, il y a eu franco, colonel Emile Rebuy. Ambassade américaine, nous en fait clair. Et même lui en Haïti pour résoudre le problème qui est lié à l'intérêt américain, pas pour résoudre le problème haïtien. Donc c'est nous-mêmes qui avons pu l'imbécile, qui comprennent nos haïs, nos bagages, etc. Alors que nous toutes, tout le monde, par exemple, pour voler toute l'argent volé en Haïti, calmer au Saint-Domingue, calmer aux États-Unis, c'est l'argent que le pays ça pour le consommer et pour le manger. Donc, et le peu d'intelligence que nous avons gagné, ça t'a fait nous, ouais.
que nous avons une obligation pour nous ensemble pour commencer à résoudre le problème haïtien. Et l'ambassadeur qui est notre médecin de dire ça. Donc les États-Unis la défendent, là pour défendre l'intérêt États-Unis, puis pas là pour défendre l'intérêt haïtien. Et ça, c'est très clair et c'est la première fois que nous utilisons vérité en Haïti. Mon corps groupe, là, son association de malfaiteurs et qui est monté, j'en ai ambassadeur de dire pour défendre l'intérêt paysan. Donc nous-mêmes, c'est pour nous habituellement demander qui ça intérêt pas nous. Et maintenant, qui j'en ai fait pour défendre l'intérêt ça. La déformation l'idée est partie Alliance pour libération et avancement d'Haïti à la fait qu'on est bataille pour les mieux faire sous assassinat. Maintenant, Ferrier d'Oral là, pas camper dans la route. Cependant, M. George dit qu'il y a un problème qui pose ces questions tribunales à côté pour travailler sous dossier ça. T'as fait à cause gang qui empêchait de fonctionner comme sa loi. Mais sous ça, il dit équipe Dr. Ariel Henry a pas bien trop d'importance à dossier. Mon Ferrier d'Oral là, pendant le dit à la, était attaché à part au Port-au-Prince. Il dit qu'il a travaillé sous dossier. C'est là, mettre une George. Nous ne pouvons pas entendre lâcher prise. Même si vous avez un petit bouquin, vous avez un petit calme, mais ils sont calmés à part. Parce que le conseil de l'autre là et tout le monde, ils ont capé un diable sous question. Okay? Mais le problème qui s'impose, c'est que nous n'avons pas un tribunal. Donc, première observation, nous avons un tribunal et tout effort que nous avons fait, surtout auprès du monsieur Jovenel Moïse, qui passait des filles à Tripas, nous sommes pas d'accord pour nous déplacer côté de nous hier, c'est vrai qu'il était dans l'arc pour tout le monde gagner et manger. Maintenant, nous avons un gouvernement ça qui est là, le gouvernement de Daniel Henry, docteur Daniel Henry, premier ministre, eh bien, moi, monsieur, tout lui-même, il va faire trop cas à problème tribunal là. Donc, c'est ça qui fait que vous êtes capable de comprendre que son bagage est oublié, mais nous quittons, son bagage n'a jamais oublié. Aucun avocat qui est d'accord pour prendre un dossier, ça va faire le tiroir et puis il va faire un cas de lit. Donc, là, il va être payé ça, ça va faire un cas de garantie ça. Au niveau à la partie que vous dirigez, qui ça vous compte faire? Est-ce que c'est entrer dans même des machos, faire sit-in, faire notre sortie dans la presse ou bien nous gagner une démarche spéciale nous pourrons faire pour nous capables de porter contribution par nous dans l'enquête qui a mené sur l'assassinat de M. Ferrier d'Oval. Vous connaissez que nous, les avocats, nous sommes des gens très disciplinés et que toute action qu'on a menée, c'est sous avis ou bien sous direction, sous directive conseil de l'Oval, qui est présidé par, n'est-ce pas, notre conseil Marie-Cécile Lebourg, qui s'est dit même du bâtonnier. Là, actuellement, en fonction, donc, avec le conseiller Lio, avec le secrétaire général, là, M. Robinson, donc, c'est eux-mêmes qui débarquent là, la main, et puis, tout ça, là, fait, c'est sous-dité, ok? Et que eux-mêmes, ils sont très habiles sur question, hein? Et puis, pour mettre sur confiance, même si vous pas des mandats de 2-3 jours, moi, je fais de l'eau quand même. Dans ça qui concerne les assassinats qui étaient faits sur le président Jovenel Moïse, M. Georges a profité de Radio Lumière pour parler sur le dossier Jovenel Moïse là, qui était mort. Assassiné à la caille de Pèlerin 5 ans dans la nuit 6-7 juillet 2021, ça fait 10 mois déjà. Homme de loi qui dit une catégorie monde qui n'a pas tablé dossier avancé, c'est tout le considéré par les juges qui sont dossier actuellement. Mais Georges Poué, il y a un peu de monde qui est capable de problème dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là, à cause des États-Unis qui divers suspect qui en bas mais là, vite au côté une fois encore responsable à la maître Rinald Georges. Paguer au juge d'exécution, n'est-ce pas, actuellement, vous n'avez pas la loi là qui saisit le dossier. Et moi, je lui ai dit fait nommer sur lui, c'est l'honorable Bélabélabe, mais, et mandat est fini là, c'est mandat fini pour qu'on renouvelle. Et ensuite, tout, moi, ma compagnie et tout. Dossier ça, il va pas aimer dossier ça, et à l'autre tribunal, il va pas aimer dossier ça. Mais, vous pensez que, moun sa yo, qui va t'aimer mes dossier ça avant, et vous pensez qu'il y a un fond yo avec les gars, vous m'en voulez ça? Parce que si vous quittez les États-Unis pour aller devant vous, moun sa yo qui t'a parlé, qui n'a même pas cité ou quoi, non, le chiri, ouais. Et bah, comment vous allez influencer pour ces agents des États-Unis. Mais on paye mal dans le fond de tout, on paye mal dans la procédure là, aux États-Unis, puisque le gouvernement lui-même demande de classifier, n'est-ce pas, certains pour ou bien certaines
pièce du dossier qui est révélée du problème public. Donc, bah, ça a réellement. Vous pensez que les côtés et gouvernement américain bien, parce que ça montre clairement que vous avez mis au trapéto. Au moins, vous avez mis au trapéto. Et sinon, vous pensez que son dossier qui est très, très, très difficile à gérer. Et moi, je ne peux pas avoir là, là. Mon client, moi, qui est en prison, dans le dossier, ça, qui part, mais il est dans dossier, ni de près, ni de loin, et même de très loin, mais que l'on est ici, tout là, qui est en prison. Donc, vous pensez que, il y a un souverain qui pour régler, car régler, que tout ça, c'est un ouvrier, il va définir comme le gouvernement Michel Nassou, il y a tout le monde là, c'est qu'il y a cette vidéo, quand c'est tout disparu, et au président du monde amené au charge, côté d'un palais là, donc comment met les mélos dans le dossier. Mais de toute façon, tout le monde nous fait pour rire. Parce qu'ils sont obligés d'approuver. L'autre information, membre personnel soutient l'hôpital Université Justine au Cap a décidé de lever samedi 7 mai 2022. Grèvement chenon, yo t'ai déclenché depuis 7 mars passé à côté de tapmandé, l'agent 18 mois sous 4 débits à Rigueri Salé avec matériel travail. Yo levé, grève ça après un chita palé, yo t'ai avec dirigeant Rotary Club, délégation Nord avec direction départementale, ministère Santé Publique 5 mai dernier. Toutefois, yo fait qu'on ait aucune revendication pour qu'on satisfait. Jean-Claude Geoffroy, Abdi nous plus. Mon personnel soutien, l'hôpital universitaire Justinien Aucap, décide de lever samedi 7 mai, grève marche longue, yoté de plaintier, depuis 7 mars passé, côté tapmandé, l'agent 18 mois, sous ticat débit, arrière salaire, avec matériel travail. Yo levé grève là, après yon chita palé, yoté gué, avec dirigeant Rotary Club, délégation Nord, avec direction départementale, ministère Santé Publique, 5 mai dernier, coordonnateur syndicat personnel soutien, l'hôpital là, Serge Joseph dit c'est provisoirement yo levé mouvement. Yo dit yo fait un pas, kounyea y a tant l'état. Avant ça nous même te a gen idée a, nous te bayon pou pa bien soit que nous même nous toute sommes de la population et a parce que comme se satisfait et condition toujours des mêmes gens. Est-ce que nous ouais, ces populations qui a subi, les populations qui a payé toutes conséquences là parce que c'est pour autorité au niveau qui voyo, là par exemple pour docteur Aélan, oui là comme ça. Ça va pas regarder, parce que ça n'a pas de problème, je compte côté voisin. Deux mois et depuis le grève. Si tu es comme si l'autorité qui était une volonté, grève ça va t'arriver jusqu'à là. C'est parce que pour respecter même qui fait le balai de définitif. C'est parce que comme si nous habitions pour un bloc dans l'autorité, nous ne voulons pas avoir une boule de pays comme ça. Ça veut dire que nous changeons moins, nous améliorer la situation, la population. Après deux mois, si nous ne pouvons pas solution à ça nous besoin après tout en grève encore. Pour membres syndicat, montrer bonne volonté. Depuis samedi 7 mai, j'ai eu le temps de nettoyer l'hôpital là qui envahit avec Fadra. Depuis la grève là, j'ai démarré 7 mars là. J'ai profité de rappeler besoin et revendication. C'est parce que nous avons une volonté qui fait améliorer ce espace-là. Nous veillons pour le couloir. Nous ministériels, mais nous levons le couloir. Dégagez à quel nous augmentation. Nous besoin de petit capteur dégager parce que nous ne sommes pas capables de la vie à trois chefs. C'est parce que nous sommes des sensibles. Nous restons nous conformes. Nous ne sommes pas allés au Canada, nous ne sommes pas allés aux États-Unis. C'est là pour nous vivre ensemble. Nous proposons, mais ce n'est pas l'argent. Nous ne sommes pas gagnés dans le monde. Nous mettons pour Ariel Henry. Mettez un copain au travail, nous augmentation, vivons nous la gentille date là. L'autre bien gardé, mais on pharmacie là. Il n'y a pas de rien là-dedans. Si ton client a un plan, vos problèmes. Si on l'autre, mon patient, vos problèmes, pour qui est dehors. Pour nettoyage, l'hôpital là, c'est arrivé possible. Responsable, ou t'as avec les bio, pépoté, tankou, balai, bourrette, râteau, pelle, petit, poun, cité saillot, seulement, maître Margaret, Georges, et maître Debreis, Gavilma, c'est assistant gouverneur Rotary Cap. Il y a un ensemble d'incinérateurs que les Rotariens d'Haïti te commandent à l'étranger pour te bailler des hôpitaux. Par exemple, je te baille l'hôpital La Paix Port-au-Prince, l'hôpital Pignon, l'hôpital Cap-Haïtien et l'hôpital dans le sud. Il y a un incinérateur. Qu'est-ce qu'un incinérateur? C'est un appareil qui permet que des déchets chirurgicaux, par exemple, des cabagons, des gens qui ont des graines, des membres. Donc, pour incinérer la dame, et brûler la dame.
Donc tout ça, on ne peut pas jeter comme ça, on ne peut pas mettre un chasseur qui pour aller dans des charges normales ou entrer là-bas. D'après ça, l'administration Sotini, il dit qu'on n'a pas de cache, mais nous-mêmes, nous manquons de la force des vies. Nous avons au moins combien de temps, parce qu'on n'a pas été pour tout pour de 40 et quelques mille dollars américains. Nous ne pouvons pas nous pas quitter là pour être pourri. Peut-être pour quelques gouttes, pour ta casson miraille, pour y'en faire l'entrée. N'a fait connaître, ça fait environ un mois, depuis que tu as éclairé Bana au Cap, tu fais l'hôpital à juste un cadeau, du matériel incinérateur pour brûler fatra avec l'autre objet dans l'hôpital là. Jusqu'à présent, matériel ça, pour que j'aime installer. Maman Tario, tu es saisi à prendre, c'est pour l'argent matériel là, pour que j'aime installer. Pour finir, n'a pas rappelé, grève syndicat, personnel soutien, paralysé l'hôpital là pendant 2 mois. Ça qui gagne, sans aucun doute, gros impact sur la population Grand Nord, particulièrement maladie qui n'a gros difficulté pour jeunes soins, caillou nécessité. A continué de trembler dans le pays d'Haïti dans mi-temps journée lundi 9 mai 2022 a été gagné une lot soukous niveau 4 dans nord-ouest commune Baradé département NIP. Entre lundi 2 pour arriver dimanche 8 mai 2022 15 moun mouri à 94 lot blessés dans accident machine avec motocyclette qui fait sous route dans le pays a d'après service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette dans le pays d'Haïti et stop accident population estomaqué en pile sous comportement manfoubé avec méprisant autorité des Factoyo qui pa di ni fait rien contre climat latéré gagne exam yo si tout la plaine ak matissant mais plutôt a voyé message à bay pays l'autre bord pour sak passé la kayo lundi 9 mai 2022 employé contribution yo plus connait sous nom direction générale impôt fait un mouvement protestation ak caoutchou ki ta boulé kafoutifou zone avenue Christophe ak Boisvenant contre kidnapping bandi exam fait dimanche après-midi 8 mai 2022 dans Pétionville sous Bernard Gay directeur général en après département opération en direction générale impoyo. Organisation Nos Petits Frères et Sœurs avec la Fondation Saint-Luc décide de fermer encore l'hôpital Saint-Damien avec Saint-Luc à cause d'un examen kidnappé depuis jeudi 5 mai 2022 dans la boule Dr. Femme Benetti Augustin qui travaille dans la section maladie Timoun, l'hôpital Saint-Damien. Dimanche 8 mai 2022 sur route Malpasse, Kouale Boukéa, dans la zone Kota, gang exam 400 maozo kidnappé 8 natifs natal pays la Turquie, yon natif natal dominicain qui était dans un bus qui tape sorti République Dominicaine. Dimanche 8 mai 2022 a détant l'arrêté un monde qui tape civil, la police rive la gué dans Bedet 7 commune Croix des Bouquets, un jeune garçon 19 l'année bandi exam te kidnappé jeudi 5 mai 2022. Dimanche 8 mai 2022 7 monde la police suspecte qui tape bandi mouri dans marécage section communale Mont Rouge la plaine du Nord département Nord dans Boukanta Koudzam avec la police nationale d'Haïti. La police a arrêté tout plusieurs l'autre monde dans opération finissement semaine passée à sous 6 mois depuis France LB installé comme directeur général provisoire. C'était en date 22 octobre 2021. La police promet encore la potée solution mais autant tout coûte dans problème matissant gang exam à contrôler depuis en date 1er juin 2021. Sous question violence à climat latéré gang exam yo a simayé sous territoire national là. Deux sénateurs américains Marco Rubio et Raphaël Warnock mandé gouvernement Joe Biden nan pote kole pour faire pays d'Haïti sortir dans zak briganda yo ak retourner dans une situation qui est posée avec sécurité. La police nationale d'Haïti dit li découvrir plusieurs chèques zombies qui baille plusieurs millions goud li voye baille ministère finance. Brigade syndicat contre corruption décidé annuler deuxième journée grève générale avertissement yo te vle fait mardi 10 mai 2022 après mot d'ordre Pat Maché dit tout lundi 8 mai 2022. Conférence pour la presse ça que directeur général la police la France LB fait côté lui présenter un bilan pour 6 mois que il gagnait dans tête PNH là. N'a pas rappelé France LB prend tête la police là pendant mois octobre 2021 passé là. Et dans bilan ça France LB non seulement li bay garanti la police là a continué rete mobilisé pour résoudre problème sécurité a li fait qu'on est la police là saisi plusieurs centaines d'âmes li fait qu'on est gain plus passé 4000 moun qui joignent arrestation yo mais tout li fait qu'on est grâce à diverses opérations la police là mené insécurité avec kidnapping nan rivé baissé nan mois avril passé a pour kounya nous inviter au côté France LB nan conférence pour la presse. Grâce à l'unité qui gagne en dans le gouvernement, grâce à l'unité qui gagne en dans la police, à côté base de la police, avec le gouvernement, ça permet que les
gagne un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trafic. Nous arrivons saisir combattants, on tape lutte contre 25 kg de cocaïne nous saisit, 658 kg de marijuana. Nous possibilité exposé plus de 150 là, que la possibilité pour la carrière, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposé là, mais en grande partie, nous exposé que nous avons gardé. Malheureusement, au fond de l'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans quatre échanges avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons l'argent, nous saisissons 78 520 dollars, nous saisissons 34 220 575 dollars. Et ensemble d'opérations, ça va nous réaliser, permet que le mois d'avril, nous avons une baisse considérable dans le cadre de la ville, dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Je ne sais pas pourquoi il fait. Ville de professionnels sous contrôle. La zone métropolitaine en a pour chaque jour, comme on dit. Et nous prenons responsabilité pour continuer tout ça. Nous avons fait un petit passé spécialement sur le dernier incident qui vivait pour le problème du public. 24 avril, deux groupes à affronter. Rapidement, la police déployée et prend contrôle sur eux. Échange de tir fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits, malheureusement, qui ont blessé localement. Nous confisquons 7 véhicules à plusieurs motos. Nous avons 3 policiers qui ont blessé. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui n'est pas grave. Au niveau colombien, nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour. Pour que nous puissions améliorer les conditions de travail policier. Et grâce à vous, gouvernement, et partenaires que nous avons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police. La formation continue avec dotation d'équipement spécial pour unités spécialisées, pour brigade d'intervention dans le commissariat et tout policier à l'échelle nationale. Dans l'espace du travail policier, nous commençons ce travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que il y a 19 lieux de police qui ont réhabilité dans le pays que nous avons. Nous avons 3 qui ont réhabilité dans le Nord, 13 réhabilité dans l'Ouest, et puis nous avons 1 qui fait dans le Nord. Toujours le cas, pour améliorer les conditions de travail policier, nous avons une commission qui pour réfléchir à une proposition au gouvernement. Concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins, et papa, directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. Donc c'est ça qui fait que la commission s'est démontée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixait responsabilité de l'État par rapport à sacrifice et engagement policier après la guerre. Travail là, nous pouvons mettre proposition à gouvernement. Il faut nous dire que préalablement, le gouvernement est touché par la situation, donc nous avons un avis favorable. Donc il était au niveau gouvernement pour que nous mettions une touche dans la proposition que nous faisons. Et ensuite, publier pour bonheur caprice qu'il a vu dans la vie. Nous toujours parler et nous toujours encourager la constitution de nos grandes familles policières. Dans ce sens, ça, nous commençons à réfléchir déjà pour la police à devenir une propre coopérative. Nous avons commencé par une coopérative de consommation. Réflexion a commencé, ensemble de travail a commencé. Nous-mêmes, nous les autorités que nous commençons à consulter. Conseil national de coopérative, qui a été nous en cas d'élaboration de documents. Nous commençons à rencontrer avec deux autorités, gouvernement central, qui promettent nous support technique. Nous espérons par longtemps
la police là pour bien coopérative, par côté parlant policier, policier qui a possibilité pour acheter ça a besoin. Tout ça nous sommes expliqués là, montrer que la police là entrer dans le processus pour que nous empruntions voie de développement. Pour que nous avons une police qui est plus responsable, une police qui est plus professionnelle, une police qui est en politique. Nous avons une garantie aujourd'hui, nous comme policiers, nous avons une garantie aujourd'hui que la police n'a pas la solde d'aucun groupe politique, ni aucun secteur de la population. Nous avons une garantie, policiers, équipement matériel que nous avons à la disposition, il a prêté uniquement au service population. Nous avons foi, nous avons pris un engagement formel pour nous mettre contre le grand banditisme avec des rigueurs, pendant que nous avons respecté les droits de tout le monde. La police a gommé tout, a gommé contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans avoir besoin qu'on ait dans quel secteur bandit ça a eu. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a payé l'argent, armes, munitions à bandit, c'est bandit. Chez mes boutons, c'est chez mes malheurs. Précaution, pas d'abord. Les gens qui voulaient que vous respectez, d'abord vous respectez tête. Pas dit nous la prendre. Pour finir, la prendre des populations, continuer à prendre la police, continuer à aider la police là, pour le renforcer, pour le cadre nous, puis mon service, chaque jour. Merci à vous, nous remercions le fait que nous sommes ensemble avec vous et nous disponibles pour que vous répondiez à des questions du réseau. La prendre de mon opérateur, tout côté. On prend une notation.
Mais nous avons demandé un petit délai tout autour pour que la situation remédie. Parce que la police là, a travaillé avec le gouvernement sur question spéciale. Ça. Nous pouvons pas longtemps la situation ça a pris. La mesure que nous prenons, pendant que la police a beaucoup mis comme bandit dans la rue, parallèlement à l'interinstitution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons être soumis aux commissions qui vous permettent d'évaluer les ressources personnelles. Grâce à la commission ça, grâce à la rapport, la commission ça conduit. Nous retournons dans le ministère des Finances. 5 622 chèques qui totalisaient 108 998 123 euros. La pause permet que nous retournions 1313 dates de débit réalisés qui totalisaient 158 310 000 euros qui fait au total de 267 308 143 groupes. Mesure ça permet à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement le prime de risque pour policiers dans l'unité spécialisée et brigade d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission ça, la commission ça, nous lui faisons envoyer 1147 policiers et employés administratifs. Donc 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause à Bando avec l'autre cause. Concernant qui cause, qui fait que les policiers partent pour ça, ou du moins dans l'institution. Donc, il y a 1000 policiers que vous formez et que l'État investit là-dedans et puis vous quittez l'institution. Comme nous sommes parlé de principal cause avec nous, et bien on peut là-dedans, vous quittez le pays. Nous ne pouvons pas reprocher aucun monde qui a cherché bien-être. Donc, nous revenons à nous-mêmes au niveau de l'institution. À nous-mêmes au niveau de l'État, pour encadrer la police là mieux, pour encadrer les policiers au mieux, pour que les investissements mieux, pour que nous puissions à la disposition du pays. Donc, nous parlons de la menace, le moyen que nous avons à la disposition. Bandir de nos jours, c'est avec ça de l'autre côté que nous. Étant donné que l'environnement sécurité a changé, transformé, l'institution la police à tout doit transformer. Sous le plan légal, sous le plan renforcement de la capacité de l'obligation de l'institution. Et nous avons dit, processus de transformation de la police là, pour répondre à l'exigence du moment, l'enclenché. C'est ça fait une unité spécialisée de l'eau, constamment en formation. Gouvernement a peine consenti de l'humour considérable pour faire acquisition d'équipement et matériel pour la police. Nous sûrs et espérons que dans tout billet, l'équipement sera matériel à la distribution de la police. Donc la police là a renforcé, avec l'appui du gouvernement, la police là a renforcé sur le plan opérationnel. Et troisième question, qui me dit oui, c'est Dimanche Foubest, qui travaille pour la Côte des Unis, en même temps, à l'Espagne, c'est une question qui m'a posé avec le Tabajois. Nous connaissons ça pour le temps, nous sommes cités soleil, pas aucun commissariat qui a fonctionné là. Et les autres pour la saline, en bas la ville là, c'est des autres que nous constatons que l'État remet avec bandit. Et souvent tout, il y a des gens
qui dit que, c'est la deuxième première question, la police, elle a fait opération, il y a quelques bandits que vous avez essayé d'entrer en collaboration avec vous. Qui savoir va dire sur l'ensemble de problèmes et des autres, surtout les questions du commissariat. Vous voulez que tu aies gagné au centre de l'incident et découvert dans le 50 soleil. Cité soleil, c'est une famille. Côté que Dieu le policier était saccagé. Pire. Mais la police n'a pas arrêté quoi quoi ça. On a travaillé de façon à ce que pour que zone, côté population n'a pas vivre normalement, pour que nous intervenions. Au gré du commissariat et sous-commissariat, pour que nous avons une éducation en service. Nous disons, nous, notre foi, que la police a traité toute qualité bandit, quel que soit le secteur que nous avons. La police a été pour collaborer à aucun temps, jamais et jamais de la vie. Responsabilité nous, c'est pour nous comme gang. Nous mettre comme bandit. Chaque jour, il en fait en continuité. Nous partons à la quatrième question. Il y a trois qui sont appelés. Il y a aussi le spécialiste. C'est un petit peu ce que nous avons fait. C'est mon information. Merci. Bonjour, DG. C'est Michel Xavier, travail de la division de Rennes. Juste retourner sur la question de M. Pinsakla. Nous nous inquiétons plus que mon voix qui a circulé le fait que Yun Kanyo dit la police fait travail là. Mais qui sa population capable d'espérer de présence constante de la police dans la zone, puisque sorti bon repos jusqu'à Kazo, nous pas presque qu'il y a un thème dans la zone, ça a une présence policière qui est plus ou moins stable, qui est visible par exemple dans la zone d'église catholique. On a parlé des gens qui ont plus besoin et nous voulons que tout le monde soit capable de circuler. Maintenant, vous dites tout, deuxième question, kidnapping dans les fonds PC, pour qu'on gagne 3 jours depuis qu'on reportage sur l'augmentation de la kidnapping. Qui doit comprendre pas ça nous est comme donné avec sa population de même là-dessus. Moi je dis clairement, pour moi la ville là, il y a une baisse considérable dans la kidnapping. Sous 4 données, moi la ville là. Abonnez, vous passez, pour constater, je vais vous consulter les statistiques. C'est vrai, dans la première semaine, mois de mai, il y a deux cas que nous enregistrons et il y a plus de cas que nous dévions. Hier, au niveau de la boucle, nous dévions, cas de kidnapping. On a arrêté. La petite population et la police là, mobilisée pour garantir la sécurité. Pour que ça va passer dans le plein, nous dit que la police prend sa main rapidement pour éviter des situations dégénérées. Nous rassurons la population la pleine, que nous renforçons les dispositifs de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous sommes beaucoup plus menaçants envers dans le plein. Il faut l'ordre établi. L'autre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenions le contrôle total, pleinement, des raisons en l'abri. Ils nous vont atteindre déjà. Pardon? Est-ce que nous vont atteindre que nous allons établir dans une zone stratégique? La police là, que vous devez voir pour que nous arrivions à la population. Donc, nous devons travailler chaque jour pour que nous beaucoup plus représentatifs. À savoir, il faut que nous, au jour le jour, travaillons pour que nous augmentions le policier, pour que nous allions vers la population. Donc, pas de travail sur ça. Voilà, je n'ai pas écouté là, c'était Franz LB, directeur général AIPNH là, qui t'a présenté un bilan pour 6 mois, les gagnants dans tête institution ça, nous rappeler qu'il y a une mission pour protéger avec sa vie la population.